Les gars, on a parlé tout à l'heure, le rugby c'est ça. C'est ça, c'est du combat les gars. Là vous êtes rassés, il y a des sacrifices, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup joué. Par contre, vous n'avez pas lâché. Les mecs, on vous l'avait dit les gars. Vous avez été plus fort, et ça s'est passé là les gars. Et là ce que je veux dire aussi c'est que il y a une finale Ligue de France à jouer. Là on a prouvé qu'on pouvait taper des grands. Donc là on va continuer à travailler. Et moi je veux que en début mai on soit tous là, que j'ai zéro bénévole, parce que j'aurai tous mes mecs sur le terrain. Donc maintenant les gars, il y a un match la semaine prochaine, il y a d'autres matchs après. Vous allez grappiller des points pour finir deuxième ou troisième. Ces mecs-là, on leur a mis la misère. Ils sont vus, ils étaient prétentieux. Ils ont joué. Et vous avez élevé votre niveau. Et on l'a vu, la défense, c'est important. Il y a des mecs, ils ont pris leurs responsabilités. Il y a des mecs, ils ont mal, ils ont continué à jouer. Le rugby, c'est ça. C'est pas un sport de pleureuse. Et vous l'avez prouvé. Et moi, je dis bravo, Mohamed. Les gars, d'abord, félicitations à tout le monde. D'accord ? Tout le monde, même les remplaçants, même ceux qui ne sont pas rentrés, c'est grâce à tous. D'accord ? On a bien bossé. Et la meilleure réponse qu'on peut leur donner à ces mecs-là, c'est ça. Ils nous mettent des arbitres officiels, ils nous mettent tout le monde. Nous, ça nous arrange, on se fait voler partout. D'accord ? Là, on leur a montré. Et maintenant, les mecs, il faut continuer à mettre cette intensité sur tous les matchs. Tous les matchs à la maison. Et maintenant, on va retourner chez le président.